Fais ce que tu penses être le mieux pour toi, fais comme tu le sens. Si tu as envie de faire quelque chose, juste fais-le. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. On va voir ensemble dans cette vidéo cette erreur à ne pas faire si jamais tu veux devenir millionnaire jeune. D'accord, je sais qu'on fait énormément d'erreurs. J'aurais bien aimé avoir cette vidéo-là quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé. Donc après avoir vu cette vidéo-là, tu n'auras plus aucune excuse pour pouvoir devenir millionnaire. Mais toi, ça ne veut pas dire que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Tu sais que c'est un process de devenir millionnaire, ça. Donc pas du ciel comme genre comme tu gagnes au loto par exemple. Oublie tous tes rêves comme ça, ça n'existe pas. Mais c'est sûr qu'il y a des habitudes que tu as au quotidien qui entraînent les résultats que tu auras dans le futur. Exactement de la même manière, les résultats que tu as aujourd'hui sont liés aux actions au quotidien que tu as eu il y a l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 semaine, etc. Donc je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'accompagne tous les déterminés à créer leur business en ligne, d'accord, à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0. Donc c'est moi qui te coach directement, ok, où je te montre comment créer ton business en ligne, que tu pars de zéro, ok. Sur n'importe quelle thématique, je te donne exactement, si tu n'as pas de thématique, tu n'as pas de passion, tu n'as rien. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais j'ai rien, comment on fait? Écoute, moi j'ai plusieurs idées business, je te les donne, ok? Il y en a plus de 30, 40. Ok, je te donne toutes les idées business, tu as tout pour commencer. Et je suis avec toi de A à Z et je te montre comment créer son business en ligne, ok? Je l'ai fait pour le saxophone qui va apporter au moins 2000 euros par mois, 20 000 euros en une semaine. Je l'ai fait aussi pour le business sur la santé, ok? Et je l'ai fait aussi pour plusieurs de mes coachés, d'accord? Qui leur a permis de pouvoir être indépendant financièrement aujourd'hui. Donc, s'ils l'ont fait, tu peux aussi le faire, ok? Moi, j'ai grandi à Évry dans 91, aux pyramides, j'ai redoublé mon BEP. Ok, donc si un gars de banlieue comme moi a pu le faire, tout le monde peut le faire. Et si j'ai réussi à le faire sous le saxophone, le business en ligne, sur la thématique du saxophone, donc ça veut dire qu'on est 5 sous le saxophone dans la vie. Donc les gars, si j'ai réussi à créer du genre avec ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle thématique. Première erreur à ne pas faire lorsque tu es jeune, c'est de stopper tes mauvaises habitudes, donc de repérer tes mauvaises habitudes et de les atténuer. Okay, et de même les supprimer, parce que si jamais tu les gardes, du coup ce qui va se passer c'est que ça va tomber directement vers la pauvreté comme la plupart des gens, okay. Donc première erreur à ne pas faire lorsque tu es jeune, je vais te le dire direct, c'est de vouloir acheter sa voiture à crédit, okay. Ne fais pas de crédit à la consommation pour pouvoir acheter ta voiture. Moi j'ai fait l'erreur, ne fais pas cette erreur là parce que je me rappelle mon premier travail, c'était quand je voulais travailler à EDF voilà, c'était mon premier job. Je l'avais trouvé sur l'ANPE, là. Enfin, ça s'appelait... maintenant, ça s'appelle Pôle emploi. Je l'ai trouvé sur Pôle emploi. Et j'étais trop content. En plus, il y avait grave des tests à faire. Donc, ça veut dire que j'ai fait des longs tests et tout. Il fallait faire des calculs. J'ai fait 2 tests, des entretiens et tout. Donc, je me suis dit, ça, c'est un truc lourd et tout. Je suis arrivé, mon gars, le salaire. Et le salaire, j'osais pas demander le salaire. Donc, du coup, je savais pas combien j'allais être payé. Et j'ai commencé à travailler. Je me suis aperçu que je touchais 1148 euros, mon gars. J'oublierai jamais ce moment-là. Bon, et malgré ça, bon, ça c'est au passage, mais malgré ça, quand j'ai eu l'argent, boum, le premier truc que j'ai fait, j'ai acheté ma voiture. Je me rappelle, grosse voiture, boum, boum, jante, 18 pouces, boum, boum, gros son dans la voiture, j'étais trop content. Ben, ça, c'est la pire erreur que tu peux faire. La pire erreur que tu peux faire parce que du coup, tu t'endettes directement et tu ne peux pas aller dans les investissements, tu ne peux pas mettre de l'argent de côté. C'est la misère. Donc, au bout d'un moment, en fait, quand tu es jeune, eh ben, faut vraiment être à l'opposé des gens. Ça veut dire, on commence à mettre de l'argent de côté justement pour pouvoir ou créer un business en ligne ou pour pouvoir l'investir et gagner de l'argent. Okay, si jamais tu fais le contraire, tu vas être foutu. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'être en mode victime. Ne sois pas en mode victime, ne sois pas en mode gilet jaune. Okay, gilet jaune, non, ça va à un moment, tu vois. Gilet jaune, ils sont en train de se plaindre. Tu es 100% responsable de ta vie. Les résultats que tu as aujourd'hui sont liés à ton comportement. Ils ne sont pas liés ni à la société, ni à tes parents, ni à la banque, ni à ton patron, ni à ta copine, ni à ton mari, ni à tout ce que tu veux. La situation que tu as aujourd'hui, tu es 100% responsable. Elle est liée uniquement aux actions que tu as eues précédemment. Que tu as eu la semaine dernière, que tu as eu le mois dernier, que tu as eu à 6 mois, que tu as eu il y a un an. Okay, c'est lié aux actions que tu as eues tous les jours. Et n'oublie pas, les actions que tu as eues tous les jours, elles sont liées aux pensées que tu as.
Et les pensées sont utilisées en fonction de la connaissance que tu as. Donc c'est pour ça que des fois, les gens ne prêtent pas attention à la connaissance ou ils disent « Ouais, c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai pas besoin, je connais déjà. » Et le problème, c'est que si tu connaissais déjà, les résultats dans ta vie, ils seraient différents. Donc surtout, ne te mets pas en mode victime. Tu es 100% responsable de ta vie et tous les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est de ta faute. Okay? Que ce soit bien, que ce soit mal. Et il vaut mieux que tu penses comme ça, parce que si jamais tu penses en mode victime, la vie que j'ai aujourd'hui, si elle est pourrite, c'est à cause du gouvernement, eh ben, tu leur donnes plein pouvoir. Et toi, tu peux rien faire en gros. Hein. En gros, tu es en train de dire bon, ben, je peux rien faire pour changer ma vie, puisque de toute façon, ce n'est pas ma faute. C'est la faute du gouvernement. Alors que quand tu te poses des bonnes questions, que tu es réel avec toi-même, tu dis ok, ben là, si j'ai pas de résultat dans ma vie, si j'ai jamais le salaire que j'ai aujourd'hui, ben c'est moi qui ai pris la décision, c'est mes actions qui font que j'ai ces résultats aujourd'hui. Et ben tu dis ok, ben comment je peux gérer ça? Comment je peux faire pour monter mon salaire? Peut-être que ce sera changer de poste, peut-être que ce sera créer son business en ligne. Pourquoi je voyage pas aujourd'hui? J'aimerais bien voyager. Créer ton business en ligne. Qu'est-ce qui t'en a empêché? C'est pas le gouvernement. Okay? Donc sois 100% responsable de ta vie et tu auras les résultats que tu veux. Troisième erreur, croire que tu connais déjà tout. Alors ça, c'est la pire des choses. Et souvent, quand on est jeune, on croit qu'on connaît déjà tout. Ah, les anciens, ah, qu'est-ce qu'ils racontent, les anciens? Moi, je connais déjà. Non, tu connais pas. Parce que si tu connaissais, tu aurais déjà les résultats dans ta vie. Okay? Et les gens qui et le problème avec ça de croire que tu connais déjà tout, c'est que tu vas pas appliquer le principe que tous les millionnaires appliquent dans leur vie, c'est-à-dire de grandir constamment. Et pour grandir, ça demande d'être humble et de dire ok, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas et je vais apprendre. Donc je vais lire le livre sur l'intelligence financière parce que si j'ai pas de résultats aujourd'hui dans ma vie à la hauteur des finances que j'aimerais avoir, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose que je connais pas. Donc lire des livres par rapport à ça, se former, acheter des formations en ligne, prendre des coachs, prendre des mentors, ok, lire des biographies. Ok, Bill Gates, il dit, je sais plus, en deux semaines, il dit 20-30 livres, je sais plus, sur le business. Et la moyenne des millionnaires, ils lisent 60 bouquins sur le business par an. Donc, il n'y a pas de secret, tu vois. Si jamais tu penses que tu sais déjà tout, dans ce raisonnement-là, tu ne vas jamais vouloir apprendre. Tu ne vas jamais grandir, en fait. Et si tu ne grandis pas, tu ne deviens pas une nouvelle personne, tu ne pourras pas avoir les résultats que tu veux. Parce que les résultats que tu veux dans ta vie, elles ne vont pas venir alors que tu es toujours la même personne. C'est la nouvelle version de toi-même qui va te donner les résultats que tu veux dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu apprennes des nouvelles choses, il faut que tu grandisses. Et ça ne va sûrement pas arriver si jamais tu penses que tu connais déjà tout. Quatrième erreur à ne pas faire si jamais tu veux devenir millionnaire jeune, c'est d'accepter le présent. Ça veut dire d'accepter ton quotidien. De dire par exemple la phrase, la fameuse phrase, franchement on est bien quand même, ça va. Ça va, franchement on est bien. Si jamais tu te dis ça, si t'es bien, tu vas rien faire. Si t'es bien, tu vas pas vouloir plus en fait. Si tu veux devenir millionnaire, tu commences à te dire franchement ça va, on est bien, tu vas rester là où tu es. Moi par exemple, quand j'étais chez les pompiers de Paris, tu vois, j'étais spécialiste chez les pompiers de Paris. Donc ça veut dire que j'étais électricien chez les pompiers de Paris. Et pour pouvoir être électricien chez les pompiers de Paris, il faut d'abord faire le cursus des pompiers. Donc j'avais fait tout ça et franchement c'était cool. Je vais pas te mentir, être pompier, être spécialiste chez les pompiers de Paris, c'était super cool. J'avais accès à la salle de sport, on était que entre jeunes, on rigolait, c'était la fête, franchement, on faisait du foot, franchement, ça avait grave une bonne ambiance. Et là, je peux te dire qu'on pouvait dire, franchement, on est bien les gars. D'ailleurs, on le disait, les gars, il y en a qui travaillent en ce moment, nous on fait un foot. C'est-à-dire, je me rappelle, c'était le mardi, le jeudi, on faisait des foot, gars. Ça déchirait, gars. On faisait du foot de 8h à 10h. Donc, je sais pas s'ils continuent à le faire, mais on faisait des foot de 8h à 10h. Et puis, ça jouait quand même. Donc, franchement, c'était un truc de ouf, gars. Tu vas au taf, tu viens, tu joues au foot. Donc, on disait, qu'est-ce qu'on est bien, les gars. Franchement, on est bien, les gars. C'est la fête et tout, on est bien. Mais voilà, mais à un moment donné, moi, je voulais plus. Je ne me suis pas contenté de ce que j'avais déjà, alors que j'avais une très bonne situation. J'avais un appartement de fonction qui était à côté du taf. J'avais quand même pas mal de vacances. J'avais plein d'avantages, mais je voulais plus. Voilà, c'était en moi. Et puis j'avais ce truc du leader où j'avais envie de créer des choses. Pour moi, je voulais créer plus de choses que ça, en fait. Je voulais pas juste que ma vie, elle s'arrête là. J'essaie d'être là, monter en grade et puis finir ma vie comme ça. Non, je voulais plus. Je savais que j'étais un leader, que je voulais apporter quelque chose. Je voulais faire des choses grandes dans ma vie, en fait, tout simplement. Donc du coup, le fait que j'ai fait ça, ça me permet de basculer et d'avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Bon, sixième erreur à ne pas faire, c'est de garder ce qui fonctionne et d'enlever ce qui ne fonctionne pas. Okay, ça, c'est super important et c'est ce que je dis souvent à mes coachés. Des fois, ils font des choses que moi, je leur ai dit non, fais plutôt comme ça. Mais s'ils ont des résultats dans ce qu'ils font, je leur dis, écoute, si ça a des résultats là, bouge pas, change pas. Tu vois, continue comme ça. Peut-être que par rapport à ton marché, etc., on s'adapte.
ça fonctionne mieux, eh ben fais ça, tu vois. Donc là, c'est exactement pareil. Dans ta vie, garde ce qui fonctionne. S'il y a des choses qui fonctionnent, tu les gardes. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu les gardes pas, tu les enlèves. L'idée, c'est de s'adapter, d'accord, et de pas avoir peur du succès, d'aller d'avancer. Ça fonctionne pour avancer. Ok, boum. Si par exemple, je sais pas, tu veux créer Instagram, ça fonctionne pas. Ou sinon, tu crées les deux. Tu crées Instagram et YouTube. Tu vois que tu mets beaucoup d'énergie dans Instagram, mais ça prend pas. Mais YouTube, tu vois que ça prend facilement. Ben, laisse Instagram et concentre-toi à fond sur YouTube. Et voilà, ça fonctionne. Donc, continue, tu vois, et te prends pas la tête. Et dernière erreur à ne pas faire lorsque tu es jeune, si jamais tu veux devenir millionnaire, c'est d'attendre que tout le monde te valide. Attendre d'avoir la permission de tes plus grands, je sais pas, de tes parents, de ta famille, pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Fais ce que tu penses être le mieux pour toi, fais comme tu le sens. Si tu as envie de faire quelque chose, juste fais-le. Juste fais-le, ne réfléchis pas, n'attends pas que tout le monde te valide, que les planètes soient alignées pour passer à l'action. N'attends personne, ok? Personne ne peut savoir ce qui est le mieux pour toi à part toi. Ok, si jamais tu le sens, fais-le, passe à l'action. Parce que si jamais tu fonctionnes comme ça, à attendre que les gens te valident ou que te disent « ouais, tu peux le faire, ouais, tu, etc., tu vas y arriver, etc. » Si jamais tu attends ça, toute ta vie, en fait, tu vas vivre en fonction de la vie des gens. Donc, tu ne vas pas vivre ta vie, tu vas vivre la vie que les gens pensent qui serait le mieux pour toi. Et donc, du coup, tu vas passer à côté de ta vie. Fais ce que tu sens qui est le mieux pour toi et passe à l'action et n'attends pas que tout le monde te valide pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Mais moi, j'aime pas parce que tu es un rageux et que tu veux rester pauvre toute ta vie. Mais toi, tu es libre de pouvoir cliquer sur le lien juste en dessous, dans le lien, dans les commentaires pour pouvoir recevoir ma formation « Comment créer son business en ligne ». D'accord, c'est offert, c'est gratuit et c'est à une valeur de 200 euros. Okay, les gens qui l'ont vu, ils ont pris des notes, ils ont commencé à mettre en place leur business en ligne. Ok, moi, mon premier business que j'ai fait, c'était sur le saxophone. Ok, ça m'a rapporté 2000 euros par mois. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Combien tu gagnes déjà par mois toi-même? Ok, donc voilà. Ben, en plus, au lancement, j'ai fait 20 000 euros par mois. Après, c'est un petit marché, donc c'est pour ça que je ne peux pas toucher énormément de gens, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce marché-là. Mais pour te dire que toutes les stratégies que j'ai utilisées, je te les partage. Et puis voilà, c'est les mêmes stratégies que j'utilise avec mes coachés qui ont eu des gros résultats. Tu vois, le i comme un fou, hein, voilà. Il y en a qui ont fait 10 000, il y en a qui ont fait 100 à l'année, il y en a qui ont fait 1 million, etc. Ok, tu as tout i comme témoignage si jamais tu es sceptique. Mais en tout cas, c'est offert, donc je ne sais pas pourquoi ça bégaye. Je ne comprends pas. Et si jamais tu es coach expert consultant, ben, là, par contre, je te conseille de cliquer sous le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder à la masterclass où je te montre exactement les résultats de mes clients, comment ils ont fait pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Quelles sont les stratégies qu'on a utilisées pour eux? Parce qu'il y a des stratégies spéciales pour les gens qui sont comme toi, coach, expert et consultant. C'est différent, d'accord? Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est en toute transparence, tu verras tout exactement, chaque étape, comment faire pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.